L'idée tout simplement, c'est de franchir quelque part le dernier kilomètre, c'est-à-dire d'approcher le vaccin le plus possible de celles et ceux qui n'ont pas accès facilement à un centre de vaccination. Nous savons que dans le département, il y aura quelques centres de vaccination, mais ça ne sera pas suffisant. Et donc l'idée pour nous, c'était de mettre nos moyens à disposition, non seulement du véhicule et du matériel, mais aussi de nos personnels, puisque nous avons des médecins PMI ou des puéricultrices qui peuvent aider les médecins libéraux, les infirmières ici à vacciner. Les services du département qui nous ont répondu en disant « on sait faire Vaccibus, mais face à la taille et au nombre de personnes âgées de plus de 75 ans qui comptent votre commune, on vous propose d'organiser, d'encadrer ce centre de vaccination éphémère où il a fallu bien sûr tout organiser au sein du centre d'action sociale et faire en sorte qu'aujourd'hui on puisse répondre à une attente des marchés privés dans ce cadre-là.